alpaga. Ouais, c'est ça qu'il y a aussi allumé. Ouais. Pas des lamas. Et des fois, il y en a un qui pousse d'un côté, l'autre de l'autre, et du coup, ils vont mettre un petit peu plus de temps à attraper la nourriture. Là, pour l'instant, ils ont trouvé le coup, ils commencent à connaître le jeu, et donc, du coup, ça leur passe un peu le temps. Ça s'appelle de l'enrichissement, en fait. Donc, il y avait les trois grands rôles que je vous expliquais, et après, les Shunkats ont trois petites caractéristiques. Donc, tout d'abord, au niveau des yeux, vous voyez, tout le contour des yeux, il est noir. C'est tout simplement pour éviter que le soleil leur tape sur les yeux. Après, ils ont la deuxième, c'est pareil, c'est très dur à visualiser, mais en fait, ils ont une sorte de lentille de contact qui leur permet de, lorsqu'ils creusent, de ne pas recevoir le sable sur les yeux. Et la troisième caractéristique, vous l'avez vu tout à l'heure quand il est monté sur la souche, en fait, il s'assoit sur sa queue. Donc ils ont besoin de les aiguiser, sinon ça pousse en continu. Et après c'est proportionnel bien sûr à la taille de l'animal. Vous imaginez que sur une souris, ces deux petites dents, elles vont faire jusqu'à peut-être 2 mm environ.
Sur un animal de cette taille-là, de ce poids-là, il faut savoir qu'un porc-épic indien comme ça, ça peut faire aux alentours de 20 kg. Sur un animal de cette taille-là, on va avoir des dents qui font facilement faire 1 cm, 1,5 cm. Mais c'est encore loin d'être le plus gros des rongeurs. Le plus gros des rongeurs. Oh, tu finiras après, de toute façon, quand je mettrai. Il commence parce qu'il est bon. Oui, il a ses goûts. Hein. Par exemple, la banane. Il aime bien. Ah, si je lui mettais un régime de banane, il le finirait. Hein. Ah, il adore ça, la banane. Ouais, quand il mange, il prend toujours entre ses pattes avant. Il bloque la nourriture et puis il grignote, tout simplement. Donc avec ses deux incisives. C'est aussi pour ça qu'il a tous les jours de la carotte. Ça, on essaye vraiment de lui en mettre. Parce que ça lui permet de s'user les incisives petit à petit. Bien sûr, ça ne pousse pas non plus à une vitesse énorme. Hein. Voilà. Ça vit combien de temps?